Oh putain de sa mère. Vas-y Marco. Putain les mecs, ça fait 15 piges que j'attendais ça. Alors elle est où ma part? Je suis juste venu récupérer ma thune et je rentre en France, je voulais savoir au business les gars. Mais tu vas foutre quoi en France? C'est mort là-bas, c'est ici que ça se passe, vas-y. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Elle est où ma part? On va tout expliquer, Mehdi. Expliquer quoi? J'ai lu dans les journaux qu'on avait braqué 2,5 millions d'euros. On était 6. Si je compte bien, vous m'avez gardé 400 000. Non, c'est plus compliqué que ça. Je sais pas comment te le dire pour que tu comprennes. Il y a une grosse crise financière et l'oseille est partie en fumée. Il y a le tsunami, Mehdi, on a pris cher et il a fallu tout reconstruire, frère. Quel tsunami? Que reconstruire? Ça va, vous en êtes pas trop mal tiré, on dirait là, les gars. Grâce à Dieu, Mehdi. Je sais pas ce que Dieu vient foutre dans ta bouche, mais moi j'ai plongé 15 piges pour protéger vos petits culs. Hein. Bah, on sait ça, Mehdi, on sait. Mais attends, mais qu'est-ce que tu sais, toi qui te fais sucer le zbouk depuis 15 piges, hein? Oh, Mehdi. Attends, et oh. Quoi? Oh, pas parce qu'en Somalie, ils ont rien à bouffer, d'accord? Que moi je dois arrêter de grailler. Ta gueule, Franchille. Tu me casses les couilles, celui-là, là. Eh, 400 000. Pour 15 ans de placard, ça fait pas lourd, les gars. Hein. Ça fait 2222 euros par mois. Vous allez me dire que vous avez pas été foutu de me les assurer? Attendez, les mecs, oh, je suis une merde ou quoi? Arrête de t'énerver, Mehdi, j'ai rien en liquide, mais on va s'arranger, on va vendre des trucs, il faut juste un peu de temps. Là, y'a rien qui a à moi, rien. Tout ce que tu vois, c'est à ma femme. Le bateau, la baraque, le golf, tout. C'est quoi ces conneries, là? C'est pas des conneries, Mehdi, ici, tu peux pas mettre des business à ton nom comme ça. Faut se maquiller avec l'État, et soit tu mets ça au nom de ta gonzesse, soit tu fais des affaires avec l'État et qui t'encule dès que tu tournes le dos. C'est pas facile ici, frère. Moi, je m'en branle de ça, moi. J'en ai rien à foutre de ces conneries. Il a un golf, lui. T'as un golf, toi? Ouais, j'ai des parts. Enfin, on a des parts, ouais. Ça va pour une trompette qui vendait de la coke et qui faisait le chauffeur? C'est ouais, bien, c'est trop bien réussi. Ça hein. Va, ouais. Oh, Goya! Putain, sors ta tête un peu, là. Tu dis jamais rien. C'est ce que je te dis. Ça baille, ça baille. Ça veut dire quoi, ça, ça baille, ça baille? Ça veut dire que ça va, que je fais aller. Y'a un problème, les mecs, je vous le dis, hein. Ça baille, ça baille. Y'a un problème, y'a un putain de problème, Mehdi, je vous le dis. J'ai plus rien. Je suis plus mon foot. Quoi, c'est maintenant qu'on se réveille tous, là? Je vous rappelle, vous étiez tous bien d'accord pour prendre sa part. Bon, ferme ta gueule, toi, là. Ouais. Quand on a tout perdu, tu disais pas ça, toi. Ferme ta gueule.